Je suis né de nouveau et dans mon nouveau cœur, Dieu habite par son esprit. Désormais, mon corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Il est important de savoir que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, mais également l'Esprit de Jésus. Galates chapitre 4 verset 6. Il n'y a qu'un seul Esprit, de même qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il s'agit de l'accomplissement de la promesse de Jésus que nous pouvons lire dans Jean chapitre 14 verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Nous ne prétendons pas présenter l'entièreté des rôles du Saint-Esprit dans nos vies, car il nous est impossible de connaître Dieu dans sa profondeur. Néanmoins, nous vous donnons un aperçu qui pourra vous aider à vous familiariser avec celui-ci. Premier point, le Saint-Esprit est la marque de Dieu qui atteste que nous sommes ses enfants et qui nous garantit l'accès au ciel. Éphésiens chapitre 4 verset 30. Deuxième point, l'un des rôles le plus important du Saint-Esprit est qu'il témoigne de Jésus. Jean chapitre 15 verset 26. Troisième point, le Saint-Esprit nous conduit sur le chemin de la vérité et il nous prédit l'avenir. Il glorifie Jésus dans notre esprit et dans notre vie. Celui qui est né de nouveau ne cherche plus sa propre gloire, mais celle et uniquement celle de Jésus. Jean chapitre 16, versets 13 à 14. Quatrième point. Le Saint-Esprit a également pour rôle de nous enseigner dans tous les domaines et même au-delà de notre imagination. Il nous rappelle également tous les enseignements donnés par Jésus lorsque cela est nécessaire. Jean chapitre 14 verset 26. Cinquième point. Le Saint-Esprit qui est éternel a pour rôle de nous consoler dans nos afflictions et dans nos peines. Jean chapitre 14 verset 16. Sixième point. Le Saint-Esprit nous convainc que le péché est de ne pas croire en Jésus. Il nous convainc de la justice de Dieu selon laquelle Jésus est Dieu. Et de jugement parce qu'il est venu juger Satan et toutes les œuvres des ténèbres pratiquées sur la terre. Jean chapitre 16, les versets 8 à 11. Septième point. Le Saint-Esprit nous donne la force, l'amour et la sagesse pour nous permettre d'accomplir la tâche qui nous a été assignée dans la maison de Dieu. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Huitième point. Sans le Saint-Esprit, le chrétien est incapable d'aucune bonne œuvre et donc de porter du fruit selon Dieu. C'est pourquoi celui-ci doit demeurer en nous et nous en Jésus. Jean chapitre 15 verset 5. Et les fruits que nous portons ne sont que la manifestation du Saint-Esprit au travers de nous. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates chapitre 5 verset 22. Neuvième point. Le Saint-Esprit nous indique la voie que nous devons suivre dans toutes les décisions et actions de nos vies. Si donc nous voulons lui obéir, nous avons l'exemple de Jésus conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Matthieu chapitre 4 verset 1. Ou encore Philippe à qui le Saint-Esprit ordonne de s'approcher du char de l'eunuque éthiopien. Actes chapitre 8 verset 29. Ou encore Paul et Timothée qui sont empêchés à deux reprises par le Saint-Esprit de prêcher l'évangile dans certaines localités. Actes chapitre 16, les versets 6 à 7. Ou encore Paul à qui le Saint-Esprit avait intimé l'ordre de se rendre à Jérusalem malgré le risque d'y perdre sa vie. Actes chapitre 20, verset 22. Dixième point. Le Saint-Esprit nous donne le pouvoir sur toute la puissance des ténèbres. Et rien ne peut nous arriver sans la volonté de Dieu. Luc chapitre 10 verset 19. Onzième point. Le Saint-Esprit nous comble de dons pour le service qu'il nous confie dans sa maison. Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 7 à 10, nous les énumère comme suit. La parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, le don des guérisons, le don d'opérer les miracles, la prophétie, le discernement des esprits,
la diversité des langues, l'interprétation des langues. Je tiens à préciser que le Saint-Esprit n'est donné qu'à ceux qui ont choisi d'obéir à Jésus en toutes choses, à ceux qui chérissent son esprit comme le trésor le plus précieux. Matthieu 6, 21. À ceux-là, le Seigneur pardonne tous leurs péchés et ne s'en souvient plus. Hébreux chapitre 8, verset 12.